Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en détail une caméra un peu particulière. C'est le modèle IPC 500 Point Duo. Et c'est justement ce point duo qui fait sa grande particularité. Car plutôt que d'être équipé que d'un seul objectif, cette caméra est équipée de deux objectifs. C'est deux caméras en une. Comme nous, on a deux yeux. Sauf qu'ici, on aurait presque pu l'appeler cette caméra la caméra caméléon. Puisque vous avez bien un objectif en caméra fixe qui va surveiller un seul endroit et une autre caméra montée en pan tilt, c'est-à-dire une caméra motorisée qui elle va pouvoir balayer, va pouvoir surveiller d'autres angles et vous allez pouvoir piloter tout ça depuis votre smartphone. Voilà, c'est donc une caméra connectée, on va donc pouvoir consulter à distance les images, pouvoir les enregistrer et recevoir des alertes aussi donc sur son smartphone. Il y a encore d'autres particularités sur cette caméra, mais ça mérite bien sûr toute une vidéo et c'est pour ça que je vous propose de découvrir tout ça dans la suite. Allez, on commence tout de suite par ce qui nous intéresse le plus lorsqu'on parle de caméra, bien entendu, c'est de l'image. Alors ici, il y a deux caméras, mais les deux caméras ont des propriétés identiques. Ce sont des caméras qui vont filmer en Full HD, 1920x1080 pixels. C'est une excellente résolution qui permet comme ça de zoomer dans l'image pour voir des petits détails qu'on n'aurait pas vu avec une simple caméra haute définition. Ce sont des caméras grand angle pour pouvoir surveiller comme ça une bonne partie de la pièce. Et donc, particularité de ces caméras, c'est qu'il y en a une qui est donc montée en fixe. Donc quand vous allez positionner votre caméra pour la fixer, donc soit posée sur un meuble par exemple, ou alors fixée au plafond avec les fixations qui sont fournies ici avec la caméra, on peut le mettre ça dans toutes ces positions. Donc on va fixer un endroit, on va donc surveiller un seul endroit, et puis avec l'autre caméra, celle-ci qui est motorisée, donc avec un système, on parle des fois de caméra PTZ, donc pan tilt, donc pan ça va pouvoir bouger horizontalement, tilt ça va pouvoir bouger verticalement, on va donc avoir cette deuxième caméra qu'on va pouvoir donc déplacer. Alors soit il y aura un système de suivi de mouvement, soit un système comme ça manuellement vous pouvez déplacer l'angle de la caméra. Je vous en parle tout à l'heure quand on va aller au niveau de l'application du téléphone. Alors les images de cette caméra sont donc transmises en direct au smartphone en passant par le Wi-Fi. Donc cette caméra doit être positionnée au niveau pas loin de votre box Wi-Fi. Si vous êtes loin de votre box, il faudra penser éventuellement à mettre un répéteur pour avoir un bon signal pour transmettre les images. Et puis une fois que ça arrive jusqu'à votre box, eh bien les images peuvent être diffusées dans le monde entier directement sur votre smartphone, donc soit en passant par le Wi-Fi quand vous êtes chez vous, soit avec la 3G ou la 4G ou la 5G quand vous êtes en déplacement. Ça c'est pour le direct, mais on peut bien entendu consulter les archives de la caméra. Les archives de la caméra, elles sont enregistrées sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra, donc pensez en acheter une en plus pour pouvoir la glisser ici dans le lecteur. On peut aller jusqu'à une capacité de 128 gigaoctets et ça fait des jours et des jours et des jours et des jours d'enregistrement continu. Alors sinon, niveau installation, bien entendu, il faut penser aussi à l'alimentation électrique. Ça se passe ici, sur le côté de la caméra, vous avez un connecteur USB-C qu'il faut donc relier à une alimentation classique, standard, genre chargeur de téléphone, pour pouvoir donc alimenter cette caméra en électricité. Sinon, pour le reste, c'est sans fil, ça passe par le Wi-Fi. Donc cette caméra, c'est un petit peu un œil que vous placez chez vous et pour pouvoir consulter ce que voit cet œil ou quand lui repère quelque chose, il voit un mouvement, bah, vous envoyez des alertes, tout ça va se passer donc sur votre smartphone. Et pour ça, il faut installer une application. L'application qu'on vous conseille s'appelle Elesion. C'est une application qui est gratuite, qui existe en version iOS et en version Android. C'est une application pas uniquement de vidéosurveillance, mais vraiment une application de domotique généraliste. On peut comme ça associer des milliers et des milliers d'appareils compatibles. Donc on peut avoir de la vidéosurveillance, des lumières, des ventilateurs, enfin tout ce qui est connecté, tout ce qui est dans la maison domotique, on va pouvoir le mettre sur une seule et même application. Donc c'est bien, plutôt que d'avoir 25-30 applications différentes selon les appareils, mais surtout ce qui est encore mieux, c'est qu'on va pouvoir faire travailler les appareils ensemble. Par exemple, lorsque la caméra détecte un mouvement, elle peut allumer une lumière en même temps ou déclencher une sirène. Voilà, on peut imaginer ce qu'on appelle des scénarios grâce à cette application. Si vous avez déjà des systèmes type Tuya ou Smart Life, donc c'est tout à fait compatible, et si vous utilisez les assistants vocaux type Google Assistant ou Amazon Alexa, eh bien c'est aussi compatible donc avec cette application Elesion. Donc vous la téléchargez, vous l'installez. La page d'accueil de la caméra est un petit peu particulière. Puisqu'on a deux objectifs, vous allez avoir deux niveaux d'image. Regardez, je peux passer la main devant un des objectifs et puis passer ensuite la main sur le second. Donc on va avoir comme ça deux niveaux de vue
par rapport à nos deux caméras, donc on voit les images simultanément. Donc ça, c'est pour la vision en direct, on peut donc consulter quand on veut effectivement cette caméra à distance. Ensuite, il y a les raccourcis rapides de configuration, c'est ceux qu'on va utiliser le plus souvent, la petite flèche en bas à droite, et on va pouvoir accéder au menu de relecture, qui sont donc l'accès aux archives de la caméra. On va donc avoir toutes les choses que la caméra aura filmées, donc soit en continu, soit au niveau des événements, je vous en parle tout à l'heure. On va pouvoir accéder donc à ces archives. La galerie, c'est tout ce qu'on a enregistré directement, parce que quand on le souhaite, on peut lancer un enregistrement ou prendre une photo grâce aux petites icônes qui se trouvent ici juste sous l'écran, l'enregistrement vidéo, l'enregistrement photo. On peut changer les couleurs du thème, on peut passer en mode privé. Évidemment, quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous surveille dans la maison. Donc du coup, vous mettez le mode privé, à ce moment-là, ça coupe la connexion avec la caméra, les images ne sont pas transmises à l'extérieur. Vous avez les modes nuit, je vous en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure, mais il y a deux modes nuit qui sont vraiment intéressants sur cette caméra. Vous pouvez régler le volume de l'appareil, accéder au suivi de mouvement, ça aussi c'est pas mal puisque on a ici une partie qui est motorisée en haut. On peut donc activer le suivi de mouvement, c'est-à-dire que quand une personne passe devant la caméra, dans le champ de la caméra, eh bien cette partie motorisée va continuer à suivre la personne dans ses déplacements. Ça c'est pas mal du tout. Vous avez aussi la possibilité donc de déclencher une détection sonore, donc dès qu'il y a du bruit par exemple, vous allez avoir à ce moment-là comme un mouvement, en fait ça va activer la caméra, ça va prendre des images. Ça peut être pratique par exemple lorsqu'il y a quelque chose qui se casse, ou alors quand il y a une sonnerie, par exemple une alerte avec votre détecteur de fumée par exemple, donc la caméra va entendre le détecteur de fumée et à ce moment-là vous envoyez un signal et vous allez pouvoir consulter à la maison, voir si c'est juste un petit peu de fumée ou si ça vaut le coup d'aller plus loin. Il y a aussi la possibilité d'activer la sirène à distance puisqu'il y a une sirène qui équipe ici cette caméra, une sirène de 90 décibels. Vous avez la possibilité aussi d'allumer la lumière à distance. Il y a une lumière intégrée, mais ça je vous en parle encore un peu plus dans le mode vision nocturne. Donc ça, ce sont, on va dire, les systèmes de configuration rapide de la caméra. En bas, vous avez la possibilité de se mettre en mode direction. C'est là qu'on va pouvoir piloter notre caméra manuellement, en tout cas la partie motorisée. Vous avez ensuite la partie cloud. La partie cloud n'est pas obligatoire, donc les images, elles, sont enregistrées sur la caméra, on peut les consulter à distance. Le cloud, si vous voulez, c'est comme un disque dur que vous auriez dans les nuages, comme on dit, c'est-à-dire ailleurs, un disque dur distant. Donc les images sont sécurisées dans un autre endroit si jamais la caméra devait être détériorée. Et donc on peut consulter donc cette caméra du coup dans cet autre espace. Mais c'est un abonnement qu'il faut payer en plus, donc c'est pas du tout obligatoire pour le fonctionnement. Ensuite, vous avez donc les modes intelligents et c'est là que justement votre caméra peut être associée à des scénarios pour pouvoir déclencher d'autres appareils, mais ça mériterait presque encore un tuto complet. Donc là, je vous ai fait les réglages rapides ici de la caméra, mais on peut aller bien plus loin en termes de réglages en allant sur les trois petits points en haut à droite, et donc là on accède à toute la configuration donc plus élaborée. On va retrouver les modes de fonctionnement de base, on va pouvoir aussi voilà changer si on veut mettre un filigrane ou pas. On a les visions nocturnes, je vous en reparle encore là aussi tout à l'heure, les paramètres de son, les paramètres de détection. Donc là aussi on peut aller très très loin, notamment dans la partie donc de suivi de mouvement, mais aussi la sensibilité de la détection. On peut aussi mettre le mode reconnaissance des corps, c'est-à-dire que la caméra, dès qu'il y a une branche qui bouge, va vous envoyer une détection puisqu'elle sent du mouvement, sauf si vous activez cette partie-là. Donc quand il y a une branche qui bouge, lui considère que c'est pas du mouvement d'humain, donc vous envoie pas de notification et va donc sélectionner un petit peu plutôt les choses quand c'est vraiment sérieux. On accède ici aussi à la détection sonore, au suivi de mouvement, et on peut voilà programmer aussi les moments où on a besoin d'activer ou non la caméra. Ça peut se programmer ici à ce niveau. Ensuite, on a les paramètres de stockage. Donc là, on voit au niveau de la carte mémoire, la mémoire qui reste. Et puis, on va pouvoir régler les enregistrements. Alors, au niveau des enregistrements sur ce type de caméra, il y a toujours deux modes différents. Soit l'enregistrement continu, comme son nom l'indique, la caméra va filmer de manière continue, tous les jours, tout le temps, chaque heure, et donc elle va archiver ces images-là. Alors ça prend beaucoup de place. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on accède à tous les moments de la journée en termes de vidéo. Alors sinon, vous avez l'autre mode, c'est le mode d'enregistrement d'événements, c'est-à-dire que la caméra va enregistrer les images que lorsqu'elle détecte quelque chose. Donc là, évidemment, on risque de rater quelques images. Par contre, on a uniquement les choses importantes qui vont être filmées, et ça prend beaucoup moins de place sur la carte mémoire. Donc quand je vous parlais des 128 Go, ça va être des jours et des jours. Évidemment, si on enregistre que les événements, ça va dépendre du nombre d'événements, mais ça peut avoir comme ça des mois et des mois d'autonomie, enfin de capacité en termes d'enregistrement d'images. Donc tout ça, ça se règle ici.
Ensuite, on a tout ce qui est stockage, on en a parlé, on peut avoir des notifications par SMS si besoin, et on a aussi le mode hors ligne, donc ça, lorsque la caméra est désactivée, lorsqu'il y a une panne de courant ou des choses comme ça, vous recevez une notification sur votre appareil pour vous dire que la caméra est désactivée, il faut peut-être aller voir ce qui se passe, s'il n'y a pas une coupure ou un autre problème. Voilà, donc tout ça, ce sont des paramètres déjà avancés. Et je vous ai dit que j'allais vous parler du mode de vision nocturne, parce que cette caméra a deux modes de vision nocturne. Le premier, le plus classique, donc avec un éclairage infrarouge, donc la caméra là à ce moment-là est invisible, quand quelqu'un passe devant, il va capter le mouvement et va filmer donc en infrarouge, c'est-à-dire avec, vous voyez, les images qui ont un petit peu une gamme de gris comme ça, hein, voilà, en termes d'image, on est vraiment sur une caméra discrète, nocturne, mais qui va rester invisible donc à l'œil nu. Par contre, il y a un deuxième mode de vision nocturne qui lui, par contre, est un peu plus visible, mais qui peut être pratique par exemple quand vous rentrez à la maison, parce que si vous passez devant la caméra, là, la caméra va rester dans un mode d'image en couleur, va activer les lumières qui sont ici intégrées, installées sur cette caméra. Et à ce moment-là, la caméra va éclairer son environnement, va rester en couleur, mais c'est quand même une vision de nuit, puisqu'à ce moment-là, il y a de la lumière qui apparaît. Donc comme je l'ai dit, ça peut servir d'accueil, par exemple, quand vous arrivez chez vous, bah, vous avez la lumière qui s'allume, c'est pratique. Et puis, ça peut éventuellement dissuader des cambrioleurs si la zone est un petit peu sombre, donc ils se retrouvent en pleine lumière, je pense que c'est pas tout à fait ce qu'ils souhaitaient. Voilà, en tout cas, on peut choisir entre les deux modes de vision nocturne ou choisir un mode intelligent qui va justement osciller entre ces deux systèmes. Donc cette caméra qui est plutôt petite de par ses dimensions, on se rend compte qu'elle est équipée des fonctions qu'on retrouve habituellement plutôt sur des grandes caméras. L'autre particularité, ça on l'a dit bien sûr, c'est qu'on n'a plus besoin de choisir entre une caméra fixe et une caméra motorisée. C'est vrai que des fois quand on commence à faire une installation, on hésite, on dit caméra fixe, c'est bien, je veux surveiller cette zone là, c'est la zone importante, mais des fois j'aimerais bien quand même pouvoir naviguer et me déplacer à d'autres endroits. Oui, mais quand ça se déplace, on ne surveille plus le même endroit, enfin bref, des fois on se pose plein de questions comme ça, alors qu'avec cette caméra finalement on n'a pas besoin de choisir, qu'elle propose les deux solutions, à la fois caméra fixe et caméra motorisée. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici. Comme je l'avais dit, caméra très particulière, la caméra IPC 500 points duo de la marque 7links. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous connaissez quelqu'un qui a peut-être besoin de ce type de matériel, n'hésitez pas à partager avec lui donc le lien de la vidéo. Et puis si vous aimez les produits techno, bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.